Et ben voilà. À dans un mois. Vision, à bientôt. Salut. Bien. Ouais. Salut. Santé. Non, 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 je ne pas ça. Non. Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Manu, ils sont prêts, regarde, les prêts, ils sont prêts. Salut, hein. Merci beaucoup de votre visite encore. Hein. Je crois qu'on est une grande famille, on essaie de soutenir, mais là je crois vraiment que les choses vont changer parce qu'on en a vraiment un ras-le-bol énorme et ça ne peut plus continuer. Je ressens particulièrement la tristesse pour ce milieu qui coule et on sent vraiment que c'est l'urgence pour eux. C'est très dommage. On ne se sent pas considéré et ça me fait mal au cœur. Je suis vraiment désolé, mais... J'en peux plus quoi, même nous serveurs ou responsables ou cuisiniers ou plongeurs, tout le monde souffre, c'est horrible. Il n'y a qu'un mot à dire, je vous laisse, bonne soirée. Les cantons, la présidente en a parlé, ont déjà renforcé leurs mesures. Ça ne suffit pas. Ils ont souhaité que la Confédération intervienne également. Et nous suivons ça de très près, bien sûr, avec les mesures qui seront valables dès demain. Le port du masque obligatoire à l'intérieur des établissements accessibles au public. L'interdiction des rassemblements spontanés de plus de 15 personnes. Les consommations assises dans les lieux publics, dans les restaurants, les bars. La restriction pour les événements privés, c'est l'endroit où le plus d'infections ont lieu aujourd'hui, nous le savons. Donc les événements jusqu'à 15 personnes avec le respect des règles d'hygiène et de distance. Entre 15 et 100 personnes, consommation assise, masque obligatoire, sauf si la consommation, sauf pour consommer et liste des contacts. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Siamo consapevoli che imporremo sacrifici economici agli imprenditori, agli operatori economici che subiranno effetti negativi di queste misure. C'è l'impegno del governo a ristorarli. I can't meet up with friends, so it will be, you know, and we don't know how long it's going to last. And obviously we had a lockdown a few months ago, and you know, it definitely has an effect on people, a mental effect on people. It's the last night that we're going to have together outside of the workplace. I'm not going to be able to go outside anyone else and my friends, because I live just with one person, so I'm actually able to go out with this person only. It's like... Just a bit strange, let's say.